زول فلاون، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم لهذه الحصه الجديده تاع الالتيرناتيفي. بونسوار تو الموند، بيانفوني ا سيت نوفيل ايميسيون دو الالتيرناتيفي. اوجوردي سي ايميسيون سبيسيال، اون فا فير ان بوتيت ايشانج افيك مسيو العربي زويميا كو فو كونيسي، اناليست بوليتيك يوتيوبر ايغالمون، دونك اوتور دون تيماتيك qu'on a intitulé « La Kabylie dans la fiction américaine, le Kbaïl ou la bled le Kbaïl, fil réwayel américia ». Donc on va échanger avec lui autour de, d'un livre qui, que M. Larbi Zouemi a lu autour de la Kabylie, un livre américain. Donc, on va lui poser quelques questions. Pourquoi cet intérêt des Américains, de certains Américains pour la Kabylie? Pourquoi on fait une émission sur ça également? Donc, bienvenue ici, Larbi Zouemia. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir aussi suggéré cette thématique il y a quelques mois dans un échange ensemble. Donc, ma première question, donc je me rappelle dans un échange de Silarbi avec vous. Vous m'avez dit pourquoi pas, on ferait une émission sur ça. Ça va être une émission rassembleuse. Alors que certains diraient que lorsqu'on parle de Kabylie, certains donc la désignent comme au sujet pour la division des Algériens. Certains disent qu'elle est stigmatisée. Donc, ma première question. Silarbi, pourquoi cet intérêt pour cette thématique-là, la Kabylie dans la fiction, dans le roman ou dans les livres américains? Tfaddal. Si, premièrement, on va parler d'autres régions, mais j'ai préféré commencer par la Kabylie. C'est pas quelque chose de politique, nous sommes en train de polémisme, même si qu'il y a des gens certains, à peu près, dès que vous parlez, comme si il est le dépositaire, parce qu'on n'est pas démocrate au fond. Mais la vie, c'est une question d'histoire. On va se placer sur la même distance face à un événement, face à un livre qui a été édité aux États-Unis. Allô? Oui. Le Kteb Hadha, ce livre-là, déjà, c'est la première fois qu'on parle de ce livre-là. Jamais de la vie, que Hadartel, ni France, ni Fitzayer, ni Kewahed, ni un livre, ni un journal. C'est la première fois qu'on va parler de ce livre-là. Pourquoi? Le livre-là, c'est un livre perdu. Forgotten book, comme on dit, c'est oublié presque. Moi, je l'ai vu. Un livre en anglais, c'est l'arabe. Oui, en anglais, oui. C'est un livre en anglais, en langue anglaise, et en langue anglaise ancienne, des années 1850, 1848 à peu près. Donc, il y a quelque chose comme Fine. Donc, c'est un livre qui la bibliothèque de New York en 2007. En 2007. À ce moment-là, il n'y avait pas de numérisation des livres. J'ai vu ce livre-là, mais bon, j'allais l'emprunter, j'étais pas résident de New York, c'est moi, et bon, pour Kalabek Lwakt et tout, donc j'allais le photocopier, mais ça suit de 600 pages, donc Gultana Mra Okhra, et voilà, c'est ça, Chehmeh, In Pursuit of Freedom, donc Chehmeh, dans la poursuite de la liberté. Donc ce livre-là, je ne fais mon livre, donc c'est sa présentation. Donc il me dit une photocopie, c'était le temps que le monde a fait. Ou il me dit qu'il est malin, maîtrisé. Parce que c'est un livre un petit peu complexe, il y a beaucoup de trucs, c'est presque politique. C'était impossible. En 2014, le livre Kharj Bzaf l'Internet. Parce qu'il a été sélectionné, quelque chose comme ça. Donc, sur l'internet, et maintenant, on peut le lire en ligne, même s'il est vendu, on peut le lire en ligne facilement. Et j'invite les gens à le lire. C'est très important ce que j'ai dit maintenant chez Mohim Lichadengul. C'est un livre du domaine public américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut le lire, on peut le traduire, on peut traduire et vendre. On peut le vendre, réimprimer et vendre. Donc, il fait partie du domaine public américain parce que
مولاته سيل كي افي لي دروا ماتت ان 1878 دونك دي نون دو فرانسيس جرين سي بيان سا فرانسيس جرين ماكدوغال اريت c'est un livre donc du domaine public on peut faire ce qu'on veut surtout j'aimerais bien qu'on le traduise les moyens de traduction sont disponibles bon bien sûr ça demande un peu de moyens il est diffusé mais comme on est porté un petit peu sur la glissade politique à peu près les gens je suis intéressé même s'ils sont intéressés ils ne trouvent pas réflexion à l'histoire pour fausser plan et prévision parce que même l'histoire a été qui m'a la faune, qui m'a la flore, qui m'a l'histoire, c'est de la collège. Mais le livre, voilà. À chaque fois, on dit, c'était prévu, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne s'est pas rencontré. Le livre, c'est un français, Harriet McDougall. Français, c'est le féminin de Francis. C'est ce qu'on appelle en latin le franc, le peuple franc. La dame Hadia, elle est née en 1805 à Smithville. Si vous connaissez la région à peu près, donc Rhode Island, l'état de Rhode Island avec un Libin. Oui, un petit état pas loin de Massachusetts. Exactement, on appelle ça Ocean State. La capitale, oui. C'est Providence. Donc Providence, est une très belle ville par ailleurs. Mais, la ville où elle est née dans une ferme Hadia, française. Elle est née dans une ferme à Smithville. Smithville, vous avez la 95 qui monte vers Boston, puis il faut vous contourner par la 795. La ville, elle est au nord-ouest de Providence. C'est là où elle est née en 1805. D'accord. Elle a fait un livre. Un livre sur un homme de la ville. Un kabir. Voilà. Ce monsieur-là, elle l'a appelé Cheikh Meh. On a cherché Chermeh j'ai demandé à quelqu'un de vraiment aguerri avec lui non ni l'onomastique amazir en kabyle voilà en Algérie parce qu'il dérive de la même onomastique presque donc le nom mais elle a choisi ce nom là Chermeh c'est beaucoup plus iranien à peu près Cheikh. Mais il y a Cheikh qui est un dieu quelque chose comme ça dans la religion juive. Cheikh dans c'est un gars exemplaire yani. Il est parti d'Alger jusqu'aux États-Unis, le voyage date de 1852. 1852, ça se sentend 10 années après que j'ai été en France. Non, 19 années après que j'ai été en France. Il n'y a pas de trace de France, de la colonisation française dans le livre. Il n'y a pas. Donc ça veut dire que. Il ne l'a pas vécu. Non, mais elle n'évoque rien du tout sur cela. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle fait la présentation, premièrement, de la Kabylie. Elle fait la présentation de la Kabylie. La Kabylie. Donc, c'est-à-dire beaucoup de trucs. Yani, c'est un peuple de liberté. C'est un peuple. Aucun peuple n'a pu vaincre. Elle la présente en tant que tribu des montagnes d'Alger. Et elle n'a pas utilisé le mot Kabylie. Elle a utilisé le mot Kabyle au sens français du terme. D'accord. Il n'y a pas d'un qualificatif territorial. Mais il y avait ça Kabylie. There is no Kabylien. Mais il n'y a pas de Kabylien. Il n'y a pas d'anglais. Donc, Kabyle. Donc, ça sous-entend que c'est un héritage qui date un petit peu avant les Turcs. Kabyle, c'est le terme arabe qui a été donné à cette terre, aux tribus autochtones. D'accord? Et au fur et à mesure, France a gâché la libéralisation. Donc, à peu près, elle a poussé ce nom-là pour avoir à peu près, pour jouer un petit peu sur le duo. Parce qu'il y avait Kabyle d'Alger, Kabyle de la Kabylie, Kabyle de Gijel, Kabyle de Guelma, Kabyle de Annaba, n'oublie pas aussi. Il y avait des Kabyles, beaucoup de Kabyles. Le nom Kabyle était utilisé déjà jusqu'en 1842 en Algérie. Par exemple, Mazalou Yukolo Blakbeil, c'est le Kol, par exemple. Mais ça disparaît un petit peu. Annaba, si vous prenez Annaba aussi, c'est les Kabyles d'Idour, là où il y a la ville de Ain Berber. Par exemple, la fontaine des Berbères.
Donc, le Moukadi. Mais elle a parlé de la Kabylie, elle a parlé de la race, elle a parlé des gens qui sont blancs aux yeux bleus, et pourquoi, on va voir pourquoi elle s'adressait à qui. C'est des gens. Bihada, c'est l'arabie, elle n'a pas visité la Kabylie. Elle a écrit le livre sur la base du témoignage, j'imagine, de Chehmer, de cette personne-là. Mais justement, quand elle dit, elle parle, mais parfois elle fait des erreurs parce qu'elle fait appel à d'autres éléments historiques comme l'Égypte, l'Irak, Erdemes. Elle fait appel à d'autres éléments historiques qui font partie peut-être de sa culture, mais. Oui. La présentation de la Kabylie, on peut lire, la présentation, on peut lire quelque chose du docteur Chou. Parce que docteur Chou a dit que cette région-là a évolué en indépendance. Donc, certainement, elle s'est focalisée sur ça. Elle a parlé, donc elle a parlé d'une manière merveilleuse, c'est-à-dire la description. La description, c'est. Elle a peut-être puisé un petit peu. L'historien Tacite, le berbère, l'historien, les berbères, les amazighs, une race indomptable à la guerre, une race égalitaire, elle avait la même portion de fromage du berger jusqu'au prince. Donc les éléments historiques, elle a présenté la Kabylie. La Kabylie, pas en termes de territoire, mais en termes de peuple, en termes de tribu. Spécificité. En termes de tribu à l'est d'Alger. Chehmer, je connais Chehmer. La présentation de Chehmer, c'est un gars exemplaire. Il a été kidnappé à Alger, il a été kidnappé à l'âge de 6 ans, envoyé en Bohême, donc ça veut dire c'est du côté de l'Autriche à peu près. Donc à peu près, il y a l'Ottoman ici, Bohême, comme esclave. Il a pu s'échapper, acheter sa liberté et revenir dans le pays. Ensuite, il est parti faire le pèlerinage. Donc, elle a présenté un Kabyle. Dès son jeune âge, il était aguerri, il était courageux, il a passé par des épreuves. Et puis, il a accompli son devoir religieux. Ensuite, à la mort de son père, dans une tribu de la Kabylie, il n'a pas accepté le mensonge. Donc, c'est un gars, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Nikhou aussi a voulu. Donc, c'est un cousin qui a hérité le trône. Ensuite, il a décidé, avec Khou Hassan, d'aller à Alger. Alger faisait partie aussi de ce monde. Donc, on a Alger à peu près incrusté dans la Kabylie. Donc, il y avait presque une plaine et une montagne. Lui, il est venu. Où est-ce qu'il est allé? Il est allé dans un collège kabyle en 1852. Nous avons vérifié, il n'y a pas de collège kabyle en 1852 à Alger. Chemin. Le personnage est très important ici parce qu'il va servir d'élément politique qui le place à l'opposé de Tocqueville. Tocqueville, le diplomate français, écrivain, diplomate, je ne sais pas, peintre, est parti aux États-Unis en 1831, arrivé à New York en 1831. Il a dit tout de la démocratie américaine, c'est le modèle, la première démocratie et tout. Ensuite, en 1832, il est parti au foyer d'esclaves qui Nouvelle-Orléans. Certainement, elle a pris Tocqueville comme référence. Elle qui est née, Oui, bien sûr, bien sûr. Tocqueville qui a vanté la démocratie La américaine. démocratie américaine, Voilà. Donc, elle est née en 1805. Mais seulement Tocqueville est mort avant elle de 20 ans, 19 ans, 1859. Elle est morte en 1878. Donc, Henriette, certainement, Hatta Tchehmeh, à l'opposé. Voilà un Français qui est allé comme Kouachnéchi, est à peu près. Et voilà un authentique, je sais pas, citoyen, brave, droit. Le sens, c'est-à-dire, il a fait son devoir religieux, et puis c'est un gars intelligent qui veut s'instruire. Donc il est entré dans le collège Kabyle. À Alger, ils ont fait la connaissance d'un marchand américain, MF, qui a donné son nom MF ou F, quelque chose comme ça, qui les a acceptés et il était impressionné par Chehmeh.
il y avait Chehmeh, il y avait Khou Hassan. C'est comme ça. Oui. Khou Hassan. Donc, ils sont restés chez le marchand américain à Alger 5 années. Et puis, d'un seul coup, le marchand américain propose un voyage à Chehmeh. Chehmeh est devenu un peu... Il s'est intéressé à la peinture, à la philosophie, même si que dans le collège Kabyle, il a appris aussi le Coran, il a appris ce qu'on enseignait à ce moment-là dans une école à Alger. Donc, c'était quoi? Une école peut-être de l'époque ottomane, même si à la Casbah, on a conservé certaines écoles, même si plus tard à l'école supérieure de Bouzerriha, on a imposé aux étudiants musulmans de lire le Coran entre 6h30 et 7h30. Donc, on respectait leur... Donc, d'après des témoignages de famille, d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, Chehmeh, Hassan n'a pas voulu partir. Eh bien, Chehmeh a embarqué. Il est embarqué comment? Mnin, Menzayer, Mnin... De toute manière, il s'agit d'un bateau anglais. Et ça commence maintenant le voyage de Chehmeh. Le titre, il était libre, il est allé à la poursuite de la liberté. Donc, il voulait avoir encore un espace plus libre. Donc, ça a commencé l'aventure de Chehmeh. L'aventure de Chehmeh se récapitule, se résume dans 48 lettres qu'il a envoyées à son frère Hassan. Il s'agit d'un livre... Restez en Algérie, restez dans le pays. Restez dans le pays. N'oublie pas qu'il y a un autre personnage qui est la sœur de Chehmeh, qui est Youley. Y-O-U-L-E-Y, est-ce que ça existe ça? Je n'ai pas d'informations si ce nom-là existe, si véridique. C'est le nom mastique de Youley, nom féminin. Youley. Donc, parce que sa sœur, c'est très important. La sœur de Chehmeh, c'est très important. Le rôle qu'elle joue. Exactement, le rôle qu'elle joue, parce qu'il envoie à Hassan, Yuglou, par exemple, passe le bonjour à ma sœur. C'est-à-dire il respectait énormément sa sœur, il pensait à elle et tout. Et la première lettre, il envoie la première lettre à Hassan de l'île de Corfou. Donc, si vous passez par les gens qui empruntent la voie sud aérienne à peu près pour traverser l'Atlantique, surtout qui sont les gens qui vont en Portugal ou à l'Espagne, ils passent par les Açores. Donc, il y a l'île Corfou dans les Açores. C'est-à-dire, c'est un aéroport de sécurité, un aéroport d'alerte, de secours, l'île de Corfou, pour les voyages transatlantiques. Et on appelle ça la voie sud, la voie sud. Donc, de l'île de Corfou, il envoie à son frère Hassan une lettre. Et ça a continué, les lettres Hadouma, jusqu'à 48 lettres, formant un livre de 600 pages. 600 pages. Donc, la destination, donc une lettre, la deuxième lettre, c'est dans la mer, la troisième lettre, c'est dans la mer, la quatrième lettre, c'est dans la mer. Ça s'est allé un petit peu dans la mer, les lettres, parce qu'il est parti le 15 janvier 1852 et n'est arrivé peut-être que le 20 février ou le 1er mars à la Nouvelle-Orléans, là où il a débarqué. Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans est choisi parce que c'était un foyer, c'était un foyer historique de l'esclavagisme et de l'esclavagisme le plus dur. C'est une ville fondée par les Français dans le cadre de la nouvelle... Pourquoi il a choisi ça? Parce que... Justement, c'est ce qu'on va voir. Ce qu'on va voir, pourquoi il est parti à Nouvelle-Orléans. Pourquoi elle a choisi, elle, Nouvelle-Orléans. C'est-à-dire la question... Moi, j'aurais pensé parce que c'est aussi à une population francophone originaire de la France en Louisiane. Oui, ça, il y a l'héritage français et l'héritage français à Nouvelle-Orléans, mais c'est un centre d'esclavagisme le plus réputé de l'Amérique du Nord à peu près, puisque l'esclavagisme à Nouvelle-Orléans, c'est les plantations, c'est le delta de le Mississippi, c'est une ville historiquement connue pour un centre de distribution de la marchandise humaine, presque, Nouvelle-Orléans. Donc, il est allé à Nouvelle-Orléans. Mais le problème, c'est qu'il a commencé à critiquer, Chehmeh a commencé à critiquer la démocratie américaine. Le bateau, lorsqu'il a vu les marins, les marins de couleur, donc les noirs, ça a commencé. Il a commencé à critiquer
la démocratie américaine. La société américaine, oui. La démocratie, leur démocratie. Et en débarquant à Nouvelle-Orléans, n'oubliez pas que à ce moment-là, en 1852, il n'y a plus de Louisiane française. Ce qu'on appelle Louisiana Purchase, l'achat de la Louisiane, s'est opéré en 1805, lorsque Thomas Jefferson a payé la France pour acheter les territoires du centre. Mais Metensech Billy, la Louisiane, c'est la plus grande partie, c'est celle qui s'étend de Détroit au nord, de l'Ohio aussi, jusqu'à l'Idaho à l'ouest. L'Idaho déjà, ou le Montana, il y avait la ville de Boise, la forêt, ça veut dire. Là, ce qu'on appelle actuellement en anglais Boise, c'est la ville de Boise. Donc c'est la plus grande partie qui était francophone, n'oublie pas. C'est la plus grande perte française. Donc après, c'était l'Algérie, la perte de 1962. La France est réduite à sa taille presque initiale, à l'exception de la Guyane, qui commence déjà à demander l'indépendance. Mais la Louisiane, ce n'était pas français, elle était anglaise, elle est passée sous contrôle anglais, est devenue un État appartenant à l'Union, dépendant de l'Union. La Louisiane aussi, c'est celle qui s'étend jusqu'à Détroit. Vous connaissez Détroit, certainement. C'est en frontière de l'Ontario. Oui, Détroit, c'est une fondation. Elle a été fondée par quelqu'un qui est né, si vous êtes à Montréal certainement, si je me rappelle bien, c'est le McDonald's qui est sur la rue Saint-Laurent, Notre-Dame, en face du tribunal. Okay. Il y a un McDonald's qui est face au tribunal, au centre-ville, au vieux port de Montréal, Notre-Dame et Saint-Laurent. C'est ce McDonald's. C'est là où il est né le fondateur de Détroit. On appelait déjà le Détroit de la nuit. Mais toute cette partie appartenait et ça s'est terminé par ce qu'on appelle la perte historique du territoire français de l'Amérique du Nord, à l'exception du Québec. Le Québec, donc, qui était légaliste et a accepté de ne pas s'allier aux Américains, et donc royaliste à peu près, et c'est pour cela qu'il a gardé la langue française au Québec. C'était parmi les conditions à peu près. Donc les Québécois sont alignés du côté des royalistes qui dépendaient du Dominion britannique, voilà. À Nouvelle-Orléans, donc, et comme le commerçant le grand marchand américain d'Alger a recommandé, j'ai du mal à imaginer un bateau partant aux États-Unis à partir d'Alger. Donc, il n'y avait pas de bateau. En principe, il n'y avait pas de bateau partant. Mais on a imaginé un marchand américain qui habitait Alger, qui a une belle villa. Et puis le marchand américain a demandé au commandant du bateau de prendre soin de Shahmah. À ce moment-là, même si Shahmah avait des discussions sur le bateau à l'esclavagisme, parce qu'il était anti-esclavagiste et tout, il n'a pas aimé ça. Même s'il mettait mal à l'aise le commandant, mais l'autre a essayé d'éviter certaines questions. Et en débarquant à Nouvelle-Orléans, voilà encore le commandant, le commandant du bateau, qui lui présente un certain Slicer, donc un grand marchand américain, Slicer. Et c'est chez Slicer qu'a vécu une partie de sa vie Shahmah. Et c'est chez Slicer, Madame Slicer, et ensuite le demi-frère de Slicer, Bennett, qui était au Brésil, avec sa fille Théodosia, que ça a commencé le débat politique. Maintenant, pourquoi ça? En 1996, donc, il n'y avait pas d'Internet bzef. Donc, je travaillais la nuit et la journée, à la bibliothèque du Congrès. La bibliothèque du Congrès, et c'est à ce moment-là que j'ai appris un petit peu sur l'indépendance américaine. L'indépendance américaine, donc vous savez que l'indépendance américaine, quoi l'indépendance? La création des États-Unis, USA, la Confédération américaine, qui regroupait 13 États. يعني خلق الولايات المتحدة هذيا, الاتحاد الفيدرالي تاع 13 مستعمرة. C'était des colonies à ce moment-là. Parmi lesquelles, يعني هذه الكولونيا هذوما se trouve Rhode Island. Vous savez que l'indépendance américaine, il y avait un problème sur la création de la Confédération en 1787.
George Washington, à Philadelphie. Philadelphie était la première capitale. C'est pour cela qu'on va retourner à la Kabylie, juste une seconde, parce que nous allons la Kabylie. L'indépendance américaine en 1787, c'était à Philadelphie, il y avait les délégués, il y avait les pères fondateurs, George Washington, le troisième président le plus, Thomas Jefferson, Hamilton, Madison, pas Madison, Adams, la photo de le billet de 100 dollars, Benjamin Franklin, et tout ce monde-là s'est réuni à Philadelphie pour créer la Confédération américaine, les États-Unis d'Amérique. Amérique, oui. Voilà. Pluribus unum, du pluriel vers le un. Voilà. Peut-être si je ne me trompe pas. En 1787, il y avait un problème. En 1787, il y avait un problème parce que Rhode Island, exactement de là où elle est née, là où naît Henriette, a refusé de participer à la Confédération. Rhode Island a refusé de participer à la Confédération parce que Rhode Island déjà avait une spécificité depuis le roi Charles quelque chose, en créant la charte Rhode Island. Seuls les propriétaires avaient le droit de vote. Il est spécifique un peu. Donc Rhode Island a refusé. À ce moment-là, le complot algérien ou la menace algérienne. La menace algérienne a été créée lors de la Confédération par l'édition ou l'impression d'un livre parlant d'espions algériens qui sont arrivés à Rhode Island pour l'occuper. Les espions algériens sont parlés parce qu'il y avait un problème entre l'Algérie et les États-Unis, qui était déjà le seul problème avec un État indépendamment de la Grande-Bretagne. Mais à part ça, il y avait un problème avec l'Algérie à cause des bateaux qui ont été saisis en 1787. Il y avait le problème algérien. Et l'Algérie, à un moment donné, demandait... C'est pas les bateaux qui ont été saisis du côté de Azfon, la région Azfon, j'ai lu... Non. Les bateaux, donc le consul britannique à Alger est venu, il s'appelle Barlow, c'est un Américain, quelque chose comme ça. Il est venu voir le Dey d'Alger. Le Dey d'Alger, Hassan Bach. C'était Hassan Bach en 1729 qui a créé l'union des tribus en Algérie. Non, c'est Hassan Bach qui n'aimait que l'argent. Déjà, c'est lui qui a créé le mot d'or, Wally. حسن باشا تافع ببري كي افي دي بروبيتي في حسن في بابا حسن وبابا علي وبابا شفتي باكوا سي لي كي دونك سي اوتون دو حسن باشا هذا كو كونسول بريتانيك اي فينو ان 1785 دو زاني ابري لاكور بعد المعاهده تاع فرساي ابري لاكور دو فرساي l'indépendance américaine par la couronne britannique. Les Britanniques qui étaient en guerre depuis 1776 1763 durant cette année de guerre transatlantique, et en 1883 donc ils ont accepté un congrès qu'on appelle le congrès de Versailles, là où il y avait des discussions sous l'égide de la France. C'est pour cela qu'on dit que la France a aidé les Américains en matière d'indépendance. Donc ils ont reconnu l'indépendance des États-Unis. Mais comme les Algériens pratiquaient la course, donc c'était des corsaires. T'es pas les seuls déjà des corsaires, parce que les Britanniques étaient les plus grands corsaires. N'oublie pas que les Britanniques, les Hollandais, les Espagnols, les Danois, les Français, Kamel Kano des corsaires. Les plus grands corsaires du monde, c'est les corsaires britanniques. C'est pour cela que l'Espagne, à un moment donné, était forte, allait envahir la Grande-Bretagne en 1588. N'oublie pas, avec Philippe II, Philippe quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, Elisabeth I, qu'on appelle la Vierge, qui est morte en 1603, je pense, a contre-attaqué en matière de piraterie. Les Britanniques, ont pu avoir l'Espagne grâce à la piraterie, pas à la force militaire. L'Espagne était très forte.
Et après, c'était la grande bataille navale qui a opposé les Espagnols aux Britanniques, et à ce moment-là, l'Espagne était défaite. Mais Barlow est venu, le consul britannique est venu voir Hassan Bacha. Parce que Hassan Bacha, à ce moment-là, respectait beaucoup le père de Father, qui était le roi George, quelque chose comme ça, en Angleterre. Lui demandant, l'informant, les bateaux qui viennent de l'Atlantique, qui étaient sous notre protection, parce qu'à ce moment-là, les États-Unis dépendaient de la Grande-Bretagne, c'était ce qu'on appelle le Commonwealth britannique des Amériques, ne sont pas les nôtres. Il lui a dit à ce moment-là la fameuse phrase. Tu sais que, mais tu sais que, à traducteur, l'Algérie avait des traducteurs. Hein? L'Algérie avait des traducteurs. C'était une ville, la première ville franco-anglophone qui maîtrisait l'anglais, la première dans le monde, que ce soit en Nord-Afrique ou Moyen-Orient ou le monde musulman. C'était la première. Même les chefs, même des corsaires maîtrisaient, Kim Hamid, le chef d'un bateau de corsaires, maîtrisait l'anglais. Donc, il parlait anglais. C'était avant les Français. Donc, les interprètes. On n'avait pas là, des semi-lettrés interprètes qui m'a par exemple en Tunisie ou là au Maroc. Au Maroc, on n'avait pas d'interprète. Mais le Maroc, la Tunisie, il lui a dit, Gelloub, vous savez que mes marins ne savent pas lire, certains de mes marins ne savent pas lire. Montrez-moi la photo du passeport. Montre quel dessin il trouve dans le passeport des bateaux. Ok. À ce moment-là, ils sont attaqués aux bateaux américains qui venaient à Cadix. En Espagne, en faisant un blocus du côté des Açores, ils ont pris deux bateaux. C'est célèbre. Dans les, il y avait des marins du Rhode Island. Donc l'information, où il y a Rhode Island, les corsaires. Donc il lui a dit attaquer. La Grande-Bretagne manipulait, elle poussait l'Algérie à peu près à attaquer les États-Unis. C'est comme maintenant, la Russie, elle exhibe. Comment dirais-je? Elle utilise Tebboune pour faire fonctionner un séminaire de rien du tout. Il est parti comme Wahdika qui met en danger le pays. Ce n'est pas, on ne s'aligne pas sur les positions américaines, mais c'est un mauvais timing et dangereux pour notre pays. Donc, le deuil d'Alger. Le deuil d'Alger ne croit que d'oro. C'est ça. Donc, ils ont attaqué. Bon. La Confédération américaine, donc ils ont créé cette affaire de complot algérien. Le complot algérien, ces gens d'Alger, il y avait 100 000 Algériens, soldats algériens qui sont arrivés déjà à Saint-Domingo, du côté de Haïti, l'île espagnole. D'autres, ils ont vu les soldats des Algériens avec le turban dans le Charleston, dans la Caroline du Sud. À peu près, il y avait cette maladie. Et puis, il y avait une grande affiche à peu près contre la Grande-Bretagne, Shame on you, honte à vous. Ça, c'est après la reconnaissance. Et la reconnaissance en 1883, hein, avant la création de la Confédération. La Confédération a échoué durant 2 mois jusqu'à l'établissement du livre en disant que les Algériens sont venus au Rhode Island. Des espions. Non, au Rhode Island. Occupé Rhode Island. Occupé, parce que tout simplement, ils n'ont jamais oublié Malte. Vous savez que la carte de Malte, dans l'imaginaire algérien, même pas égyptien, même pas tunisien. Et c'est pour cela que Grouabi, Korsan Malta. Korsan Malta, quelque chose comme ça. Malte était presque l'affaire des Algériens. D'accord? Étant donné qu'elle avait une flotte, Malte, c'était à peu près c'est ce qu'on appelle c'est le transit. Donc, ça a affecté. Ça a affecté à peu près, et c'était l'étendue de la puissance de la force navale. Mais Malte a joué. Donc les Américains disent que les Algériens vont occuper Rhode Island. Et à ce moment-là, on a imprimé un livre. Avec la connaissance, c'est-à-dire Hamilton, je pense qu'il était secrétaire d'État, Hamilton supervisait cette affaire-là. C'était un livre qui parlait des mercenaires, Algérien Spy. Un mercenaire ou plusieurs mercenaires en Pennsylvanie. Si on ne s'unit pas, si on ne crée pas la Confédération, les Algériens vont nous dévorer. Maintenant, c'est que le Rhode Island, c'est là où il est né Henriette. Henriette. Et on a développé une culture, quoi, un jugement, c'est-à-dire contre
contre le déidalgie, quoi. Mais il y a madrach le déidalgie. Elle n'a pas parlé de déidalgie ni de rien du tout. Elle a parlé d'une région, d'une tribu d'Alger, des montagnes d'Alger. Parce qu'il y a un jugement anti-algérien. Elle l'a nommé Kabylie ou elle a juste parlé de Kabyle. Kabyle, ok. Kabyle. Donc, elle a pris un exemple. Il y avait un jugement algérien. Un jugement anti-algérien. Donc, l'Algérie était considérée l'ennemi numéro un des États-Unis. Déjà, George Washington disait que George Washington donc se dirigeait vers Philadelphie. À un moment donné, il a demandé à son chauffeur, ou je ne sais pas, de s'arrêter. Donc, la caravane de s'arrêter, il est allé penser. Le conseiller Tao, monsieur le commandant, le commandant de l'armée continentale, est-ce que vous avez un malaise? Non. Que Dieu l'efface de la surface de la terre. Il parle des Algériens parce qu'il prenait le 1/5 du budget des États-Unis. Donc, il y avait un jugement, malgré que George Washington, le Haq, il a essayé à deux reprises d'entrer en contact avec le Dey d'Alger et de lui proposer du commerce. Parce qu'à un moment donné, comme l'expliquait Dr Mohammari dans sa thèse, c'est vrai, les États-Unis ont voulu l'aide d'Alger. Ont voulu l'aide d'Alger et ils sont tombés dans un piège britannique disant que ces États-là sont très riches. Donc, Hassan Bacha, il est parti contre les riches. C'est aux riches qu'il demande, pas la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne aussi, elle était devenue puissante, c'était impossible aussi. Même si, dans 300 ans, il y avait 4 000 bateaux britanniques qui ont été saisis. Même eux, ils ont saisi des bateaux algériens qu'on appelle Algériennes. Ils ont créé un nom HMS Algérienne qui, jusqu'à présent, c'est un grand bateau anti-mine qui est dans la marine royale. Rhode Island, Henriette Avia, c'est une botaniste. C'est une botaniste. Celle qui a écrit le livre. Oui, c'est une botaniste. Et c'est une femme. N'oublie pas, c'est une femme, c'est une botaniste. En 1842, donc certainement avant l'arrivée d'Abraham Lincoln, et 10 années après la venue de Tocqueville, il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas Dorr, qui a créé une constitution populaire dans l'État du Rhode Island, qui était le Rhode Island réfractaire à l'Union. Pourquoi il a fait une constitution populaire? Parce que tout simplement, il y a une loi sur Rhode Island qui ne permettait pas aux esclaves de voter, aux femmes de voter, aux propriétaires de fermes de moins de 134 dollars de voter. Et seuls des propriétaires, c'était. Et il avait créé la constitution populaire. Il s'est constitué, il s'est fait élire comme gouverneur du Rhode Island. Ça a éclaté et a devenu le Rhode Island, un État à deux gouvernements. Ça, c'est plus tard, en 1842. Donc, la Confédération est créée, Rhode Island appartient aux États-Unis et tout, mais au sein de l'État. Or, Harriet a vécu ça. Elle est née en 1805, elle a vécu ça à 37 ans. Elle était empêchée en tant que femme de voter. Et voilà. Et comment on a intitulé une loi anti-Dorr? Il s'appelle Thomas Dorr, qui a été ensuite donc pourchassé jusqu'au Massachusetts, c'est déclaré coupable. Ils ont fait ce qu'on appelle, vous allez trouver dans l'Internet, la loi algérienne. Algérine, pas Algérie, Algérine. Algérine, l'eau. Vous l'avez trouvée, elle est frappée par le droit de. Parce que le document coûte 500 dollars, mais vous pouvez toujours la visualiser. Faites image et Algérine, l'eau, L-A-W, Rhode Island. Loi algérienne. La loi algérienne. La loi algérienne se référait à la brutalité du deuil parce qu'on avait une idée sur le deuil, le deuil, mais qui a donné le titre? Est-ce que c'est le gouverneur King qui a l'opposé de Dorr qui est pour la constitution populaire, pour l'abolition de l'esclavage, le droit des esclaves, le droit des femmes, le droit des propriétaires, ce qu'on appelle pour changer le modèle de vote? Ou les autres, ce qu'on appelle la classe aristocrate à peu près, des corrompus. Elle a vu la loi algérienne, elle. Elle a vécu avec la loi algérienne. Et à ce moment-là, Harriet disait,
Ariette disait, voilà, et voilà, vous qui critiquez, vous allez parler de l'Algérie, تهدروا على الجزائر هذيا ولداي وما عباليش انا وحكمونا كيما هكذا وسمو اي فوالا كيلكا باسكو لا بريزونتي با اون طون لا بريزونتي اون طون كو بارفوا فو تروفي دون لو ليفر هو يهدر مع خو مصطفى يقول يقول ما 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 تا مون بيي يا ميم با ني فرانس ني دي تو مون بو بيي الجزائري ماي بيوتيفول كونتري الجيريا واحد في الباتو اوسي اون الون بريزيل شهمه لو كابيل قال له Gelo est fameux algérien. Donc elle n'est pas voulu s'engouffrer. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs au Mambélichana? Voilà, vous parlez d'une région ou d'un pays, et voilà quelqu'un qui vient. Voilà le modèle de la société, une société libre. Et vous, étant donné qu'elle s'adressait à des hommes blancs, donc elle a rattaché les Kabyles aux Circassiens, je pense. Donc c'est ce qu'on appelle à peu près la thèse d'Hercule. Qui concerne la Méditerranée tout entière, hein, il faut pas. Mais c'est ancien ça, parce que les Amazighs étaient. Il y a des gens qui ne savent pas répondre. Les Amazighs, c'est ancien, c'est très ancien. Le berbère, le tifine, ce qu'on appelle le libique, qu'occidental comme oriental, les lettres. Déjà c'est angulaire. Donc avec des angles, c'est pas cursive, c'est pas mail qui est mongolois. Donc il y avait une intelligence dans la transcription déjà. Mais il s'agit de peuples anciens, les Amazighs, qui ne se mettent pas en horizontal, ni avec les Assyriens, ni avec les Babyloniens, ni avec. C'est plus ancien que les Phéniciens, c'est plus ancien. Ça date. Déjà, ça le prouve de jour en jour, parce qu'on appelle le néolithique de l'Bayez, voilà, du bélier de Bourlain. Nous avons un néolithique exceptionnel. Nous et le Maroc, certainement, et la Tunisie. Nous avons. Donc, il s'agit d'un peuple. On ne peut pas définir une ethnie maintenant. Certainement, il y a une permanence amazigh dans tous les pays. Il y a une permanence germanique, il y a une permanence perse. Mais certainement, nous subissons des influences de l'humanité, certainement. Ça, c'est normal. Mais elle a essayé de dire, même si l'Algérie est concernée par le Méditerranée Sud, à peu près, Languedoc-Roussillon, les Celtes, voilà, certainement, elle est concernée. Elle est concernée même en 1643 par les enlèvements qu'a fait Morad Reis en Islande. Nous avons des Islandais parmi nous, nous avons des Irlandais parmi nous, nous avons des Sardes, surtout de la région de Kolo, Gigel, Kolo, les Sardes, dans la Sardaigne, nous avons cette population. Mais nous ne sommes pas les seuls, c'est toute la planète qui est comme ça. Mais elle essaie de démontrer aux gens racistes de Rhode Island qu'ils n'acceptent pas le vote, qu'ils n'acceptent pas que la femme vote, qu'ils n'acceptent... Pas les Noirs votent, oui. Donc qui n'accepte pas la femme, qui n'accepte pas l'esclave, qui n'accepte pas les propriétaires qui ont une firme à 134 dollars de vote. Et voilà, je vous présente un peuple, je vous présente une tribu qui nous ressemble, parce que elle française, elle est d'origine franc. C'est-à-dire elle est ce qu'on appelle, il y a le mot franc, les franges, يعني comme on dit en arabe. Et Chehmeh du côté de sa mère, c'est franc. Donc, elle a essayé de... Il ne s'agit pas de faire le lien. De faire le lien. Il s'agit de convaincre. C'était normal, bien sûr. Ils ont... Ces gens-là ont le teint blanc. C'est ce qu'on appelle, Tacite parler de l'Afrique blanche, ou les Libyens blancs, qui étaient un grand territoire, à peu près. C'est de l'Égypte. Il y avait même les Berbères du Nil. Il n'y avait pas de Chichnaq qui venait de Tlemcen. Chichnaq, c'est un berbère de l'Égypte. Donc, c'était un Libyen de l'Égypte. Il n'y avait pas le grand territoire là. Mais ce territoire-là, c'est des peuples qui ne sont pas étrangers. Pour convaincre. Et voilà quelqu'un, Menhum, qui est un Chehmeh Hada, elle a créé le personnage. Chehmeh, comme esclave à 6 ans. Est-ce qu'il a pu arracher sa liberté, revenir chez lui, ensuite il est allé avec son frère le pèlerinage à la Mecque, ensuite il est revenu encore chez lui, son père est mort, donc on l'a désigné comme héritier, il n'a pas voulu accepter la responsabilité, donc c'est une qualité, il veut s'instruire, donc
Il s'agit d'un personnage déjà fait. Déjà, c'est ce qu'il disait. Ce qu'il disait, c'est exceptionnel aussi. Hein, le texte qu'il dit. Elle a créé le personnage. En fin de compte, c'est elle qui a fait le voyage. Parce qu'il n'y avait pas de chemin qui a fait le voyage. Mais elle a choisi. C'est comme si la Kabylie a voyagé. C'est la Kabylie qui a fait le voyage au Rhode Island pour expliquer à ces gens-là que vous ne refusez le vote. Vous traitez la femme. Il y avait des problèmes de femmes aussi parce qu'elles n'avaient pas droit au vote. Et voilà quelqu'un qui est venu, il est déçu. Il est déçu. Il est déçu de cette démocratie. De ces inégalités qu'il a constatées. La démocratie américaine, parce que dès qu'il est parti yani, d'Alger, il a vu les marins, il s'est demandé est-ce qu'ils sont égaux. Donc, le premier choc, ensuite, il s'est attaqué à la religion chrétienne, parce qu'il est parti à l'église. Et à l'église, c'est le dimanche. Et c'est dimanche, il était vraiment fâché, il s'est attaqué carrément. C'est dimanche qu'on frappait les esclaves, la flagellation. Tout n'est pas permis dimanche, même les oiseaux, peut-être déranger la quiétude de la journée de sabbat, le sabbat de l'église d'Angleterre, bien sûr, le Oui. dimanche. Et c'est permis les urgences, les coups, les flagellations. La chasse aux fugitifs, c'est permis le dimanche. Et en regardant avec Germain Hacquequin l'église, parce qu'il a été invité par Monsieur Slicer, qui était lui aussi, qui ne voulait pas être dérangé dans ces cas-là, c'est une démocratie à peu près c'est une démocratie factice. Et Germain a dit, le prêtre, leur prêtre, parler de tout, c'est comme s'il légalisait au nom de la religion chrétienne. Et je me suis retrouvé dans une mascarade, que plutôt d'une mascarade au lieu d'une assemblée d'infidèles. Parce que Gehl, le prêtre, est chrétien. Comment se fait-il? Il ne parle pas de Paul qui a livré Onésime. Onésime, c'est un esclave devenu chrétien. Et Paul l'a livré à son maître qui s'appelle Philémon. Et Philémon est devenu l'ami de. Il n'a pas dit ce mot-là. Donc, il s'est attaqué au système de vote. Parce que Ariette a présenté Slicer comme un gars riche, un éditeur de journaux qui s'appelle le Trou démocrate, et un gars qui appartient à un parti conservateur qui s'appelle Whig, quelque chose comme ça. Ça existait, ce parti-là, en Louisiane. Donc, il a attaqué ces gens-là. Donc, Ariette a dit, vous, les Américains, qui vous croyez Thomas Belichon, la démocratie américaine, Thomas Jefferson, la flagellation le dimanche, l'esclavagisme. Et il a donné l'exemple des Indies, la fille la fille d'un couple d'esclaves chez Slicer, qui n'avait même pas le droit de rencontrer son mari, exilé, et qu'il est venu, qu'ils sont se cachant, après 6 mois, pour la rencontrer 1 heure et s'évader. Donc, Chemin a fait ce qu'on appelle, a fait un jugement. C'était la sanction contre la démocratie américaine. À l'opposé de Tocqueville, Henriette, en tant que femme, a présenté ça pour dire voilà. Il y a quelqu'un qui vient de. J'aimerais bien que les gens lisent ça, l'exploite, relisent ça, c'est bien. C'est la première fois qu'on parle, mais relisent ça. Bon, il y a beaucoup d'événements parce que le voyage, c'est vers New Orleans. Ensuite, il est monté dans une plantation Cottonwood, certainement Cottonwood, c'est au nord-est de la Louisiane. Ensuite, Pinewood, j'ai cherché, c'est difficile, il y a au Texas. Ensuite, il est allé au Rio de Janeiro parce qu'il y avait le demi-frère de Slicer qui était établi à Rio de Janeiro. Il est tombé peut-être amoureux d'une fille qui la dépasse de 10 années, Chemin. Chemin est présenté en tant que philosophe, en tant que peintre et tout. Mais il Mais d'où est-ce que ça vient, justement? D'où est-ce que vient cet esprit-là de Chahmah? Il est présenté, vous le dites dans ce livre-là, comme quelqu'un d'assoiffé de liberté, dépris de la justice, qui est déçu par la démocratie américaine. D'où est-ce qu'il vient? Parce qu'il est parti de sa Kabylie, de l'Algérie, qui n'était pas non plus une société, la société idéale en matière de démocratie, en matière de respect des droits des femmes, par exemple. Chemin a vu des scènes.
شيخ ميمسي مش حط روحه هو قال انا يا احنا هم المخيرين نو نا با دي سا شيخ ميمسي il est déçu il est déçu il a vu il a vu il a vu chez madame Slisser donc l'enfant un enfant noir frapper le chien du maître Slisser هذا اللي قاعد عنده هذا qui le respectait à peu près parce que il est commandé par le commandant du capitaine mais qui chef هو جام سيسير était fâché علاه يضرب من كلب donc il a demandé à son fils de frapper le fils de Smo. Et sa sœur, la femme, elle encourageait le truc. Il y avait un problème de femme aux États-Unis. Seule la religion chrétienne permettait aux mariés. Mais il y avait un problème de femme, étant donné que Harriet botaniste, parce qu'il y a un environnement de botanique, de même Hatta Chehmeh, il vient des montagnes, il y a les fleurs et tout. Mais Chehmeh avait des selles. C'est pour cela, en parlant avec Hassan, les bâtelots. Lettre, j'ai traduit un passage, j'aimerais bien le lire, et je pense qu'on arrive, à terme, on reprendra une autre journée. Je vais vous lire ça, c'est très important. Un texte, bon, j'ai fait le maximum pour l'avoir, certainement, mais j'attendais maintenant chaque jour des nouvelles de la maison. De la maison, pas sa maison, mais la maison de Slisser. Mais je suis en paix, car ma propre conscience, qui est pour moi une sorte de sens intérieur, ou de ce gros sens, m'assure que tout va bien pour vous. Yadra la Ochtu Hassan. Bien pour Yulei, Ochtu, ma chère et tendre sœur. Elle a, regarde que c'est politique presque, Adia. Elle a une grande tâche à accomplir parmi les femmes de notre peuple. Ça, c'est Chehmer, la lettre Ntaou. Il parlait de sa sœur. Oui. Ma tranquille petite Yulei, mon aimante et rieuse petite Yulei, doit être une libératrice. Elle doit montrer le pouvoir et la vraie féminité. Écoutez-moi, avouez. Point. J'ai une hérésie. Ne vous inquiétez pas. Elle n'est pas d'origine étrangère. Au contraire, virgule. Elle a pris de l'ampleur depuis mon enfance. Je l'ai vue chez ma mère et chez ma sœur. Mais surtout dans ma propre raison et ma conscience que la femme a une âme. Point. Et donc, qu'elle a son propre travail à faire dans la grande économie de la vie et de la société. Je la considère comme la mère et la compagne des enfants, à l'âge le plus impressionnant, comme la raffineuse et l'inspiratrice du bien, comme l'amie bienveillante et la bienfaitrice partout. Et je me dis que ce sont là des pouvoirs qui indiquent vraiment sa position et sa valeur dans le monde, en tant qu'incarnation individuelle et responsable, l'ami et la compagne égale de l'homme. Ces grandes vérités doivent être illustrées. Yulei l'entendra et s'appliquera à sa tâche avec cette inspiration la plus vraie, l'espoir de faire du bien aux autres, du bien à tous. Attends, cette dernière réflexion m'amène à dire que l'homme ne pourra jamais s'élever très haut tant que la femme ne se lèvera pas avec lui comme son compagnon de travail et d'inspiration, comme la révélatrice de ses pouvoirs plus fins que l'homme n'a pas pu saisir et que la femme elle-même ne peut pas comprendre tant que sa vue intérieure n'est pas ouverte et qu'elle ne commence pas à se voir elle-même, tant qu'elle ne commence pas à interpréter et à mettre en lumière les belles actions de son propre pouvoir et de sa propre destinée. Pour ces raisons, toute tentative de libérer et de civiliser un sexe sans l'autre doit être vouée à l'échec. C'est un texte pour 1852 qui observation de la situation. Donc il n'a pas dit que nous sommes les meilleurs, mais il y avait un sens de liberté. Ça veut dire que vous, donc c'est un livre quand même, c'est un livre déjà qui a pas de, j'ai pas trouvé de critique. C'est un livre ancien, c'est un livre ancien, certainement en son temps, je ne sais pas, en son temps. C'est un livre, la dernière, je pense qu'il a été prêté pour la dernière fois en 1962. Certainement, c'est une société esclavagiste avec le conservatisme. L'esclavagisme est resté jusqu'en 1970. Déjà, l'esclavagisme, l'Australie, n'oubliez pas que l'Australie, les autochtones de l'Australie, jusqu'en 1974, faisaient partie du ministère de la faune et de la flore, tu sais. Donc, après, vous faites la leçon. Voilà quelqu'un qui vient de cette région-là, de ce peuple-là. Le peuple-là, Haoul, qui était la plus importante.
que personne ne connaît aussi, peut-être certainement, nous sommes aguerris, si inspirés en critique, parce que il est difficile de faire des choses maintenant, il est difficile de faire des vidéos, il est difficile de faire des... Nous sommes une société qui s'est congelée en cube de glace, un mec impossible. La chose la plus importante, c'est que le livre est présenté, traduit du chewia, du chewia. Donc, la langue kabyle, le mot langue kabyle n'existait pas. Chewia, ça veut dire pas chewia ta'arek. Donc, le voyage du mot chewi, siwi, siwi, pasteur berbère, a voyagé depuis le Maroc, certainement, s'est transporté pour un qualificatif des berbères de l'Est, des Aurès. Mais le mot Heva, on a trouvé ce mot-là en 1733, 1734, chez Dr. Shaw. Dr. Shaw, en visitant la Kabylie, a parlé de Chewia. De Siwi, de Chewia, mais de Chewia, comme ça. Est-ce qu'il y avait, avant l'effritement, avant ce qu'on appelle les aliénations, ou avant ce qu'on appelle le divorce linguistique, ou ce qu'on appelle l'affrontement linguistique Alger qui a cassé un petit peu Alger, la création du lingua franca qui a cassé ce qu'on appelle l'étendue jusqu'au chlef, jusqu'à l'Ec. Est-ce que c'est passé des choses, certainement, mais le mot Hadha, la langue chewia, existait. Maintenant, il qualifie une région, les Berbères de la chewia, qui même. Mais il est ancien à ça, et c'était caractérisé, il définissait une langue. C'est pour cela que Ninjabatou, donc, il y a les traces du docteur, de l'anglais, docteur Thomas Shaw, et son voyage en Algérie en 1732 jusqu'à 1000, je pense, 1744. Voilà, 12 années, 12 années, 12 années, docteur Shaw a utilisé ce truc. Et Kenahaja, c'est que elle faisait appel parfois à des éléments d'histoire qui sont passés ailleurs. Donc, elle avait des informations par rapport aux incidents ayant opposé Alger à Philadelphie, à ce moment-là, qui était la capitale. Mais elle avait des éléments d'histoire qu'elle a essayé de les apporter. De les apporter et de faire un livre, et le livre n'est autre que une démonstration, un argument, une antithèse à la démocratie américaine, une antithèse à Tocqueville. Cette antithèse-là est représentée par un Kabyle venant de la Kabylie, venant d'Alger, monté à Alger, Tlegadeka, ce qui fait sa vie, qui m'a c'est un gars modèle, droit, anti-esclavagiste, humaniste. Donc, parce qu'il parle beaucoup du monde et tout, et Égalitaire. égalitaire, et qui a fait presque le procès en 1852, avant Abraham Lincoln, avant l'abolition, hein, ne te sais-je. C'est avant la révolution de la guerre civile américaine, à dire, et à peu près quelques 70 ans après la création, presque 70 ans, 65 ans après la création des États-Unis d'Amérique. D'Amérique. Donc, pour la présentation, tu as le livre, on reviendra certainement. Pour Oui, parler, mais mais... j'ai une question sur le lien que vous ferez avec les discussions d'aujourd'hui sur l'arabe. On parle depuis le Hirak, même avant le Hirak, du rôle de la Kabylie, de ses spécificités, de la différence qu'il peut y avoir ou pas avec les autres régions du pays. Quel lien vous faites, si vous en faites, entre la lecture de ce livre-là, entre le personnage de Cheikh Mahi et comment il est présenté dans le livre, avec la réalité que nous vivons en Algérie aujourd'hui. Écoute, la Kabylie, il y avait un travail turc, premièrement. La France a hérité des méthodes turques. Déjà, tout ce que la France était contente d'hériter la zizanie turque. La zizanie turque a joué, bien que nous étions un État délimité. Ce n'est pas le Hadra al-Fer à France, parce qu'il y a Kachouya. Les anglophones, ils sont plus sérieux parce qu'ils présentent le fait. Qu'est-ce que vous cherchez à écrire, madame? Il y a un événement, il y a un fait, il le présente le fait. Il y avait les Turcs, ou n'importe les Turcs, quels que soient les Turcs ou les Ottomans, on a un jugement à lire, certainement.
Mais dans cette chaîne du califat ottoman, nous étions les moins mauvais. C'est une vérité. Alger était fonctionnel. Alger, le Caire était mieux qu'Alger, c'est impossible. Est-ce que, avec une... Mais il n'y avait pas mieux qu'Alger. Alger, c'était une ville riche, était une ville fonctionnelle, et une ville où régnait l'ordre. Si vous voyez, par exemple, William, comment s'appelle, j'ai oublié, l'historien de Liverpool, il dit, les Français faisaient croire au monde qu'ils ont créé un pays. C'est ça, l'époque. En ramenant le nom. Parce que sur le plan logique, le passage à un État moderne de délimitation territoriale est passé avec les Turcs, même si les Turcs sont... Et passé avec quelqu'un qui était déjà, qui a fait la réconciliation avec les Kabyles après les tensions entre Khirdin et Afrokaz. Devenu Hassan Wildou. Hassan Wildou a fait la réconciliation. Et à ce moment-là, il a créé la confédération. Ce que Hadi Abkatina face à la France. Mm-hmm. Il a demandé même au Moukarani de Mjena, au nord de Borj, jusqu'à Béjaïa, là où descendait le Moukarani, le fameux Moukarani. Le bey de Constantine a demandé au Moukarani de, même s'il est mauvais, mais a demandé au Moukarani de faire l'union des tribus. Ils ont refusé. Il a demandé à qui? Il a demandé aux Douéouda de Biskra, de Betna, Biskra, qui sont arabophones, d'intercéder auprès des Moukarani, qui sont leurs alliés ou une sèbre, mais tout, de qu'on se rassemble. Ça, c'est un fait. Maintenant, M. Mlih, Nejar, il peut être aussi. Donc, maintenant, la Kabylie. Certainement, il y a spécificité. Spécificité parce que, tout simplement, nous avons subi ce que nous avons subi. C'est un grand territoire. Nous ne sommes pas... C'est un grand territoire. Certainement, le divorce linguistique, l'Islandais a été créé, l'âge de l'Islandais, c'est 500 ans, 550 ans. Et en 400 ans, on peut créer une langue. Il se peut que la Kabylie a vécu une situation. Pas la Kabylie aussi. Parce que vous ne pouvez pas me dire, Néa, la vallée de la Soumam, c'est impossible, c'est faux. Ça. Il y avait un problème de fort national, de Rebaa Nathirès. Et leur conflit avec le Dey d'Alger. Pas le Dey, le Bey de Bougni, qui l'ont tué. Rebaa. Ils ont tué Zebah parce que Zebah leur a interdit d'aller au Sogl Thleth. Ils ont créé Sogl l'Erba, le souk là, le souk. Il y avait un conflit. C'est pour cela que les Français sont attaqués en 1857 à Fort National et la bataille de Soumer à Fort National aussi. C'est le cœur à peu près. Et non seulement à Fort National. Les premiers immigrants de la Kabylie venaient les quatre de Fort National en 1905 sont arrivés à New York en prenant un bateau du Havre. Trois ont été acceptés. Le quatrième, Guerrero, est-ce qu'il n'a pas su répondre? Est-ce que vous acceptez la polygamie? Est-ce que vous... Ils l'ont refoulé, ils l'ont rapatrié. Donc, il y avait une spécificité. La spécificité a fait en sorte à ce que, n'oubliez pas que le taux de scolarisation en Kabylie, même durant la France, durant la colonisation, est supérieur. Au reste du pays. On reste des régions du pays. Oui, bien sûr. Même Jules Verne est venu. Attention, Jules Verne est venu. D'accord. J'avais un cousin qui a enseigné à Dilis. Donc, un cousin, l'oncle de mon grand-père. Yani. Il avait des amis. Nous avions pourquoi il était supérieur, justement, sur l'Arabie? Parce qu'à un moment donné, la France a misé sur la Kabylie. Et alors, le contraire, le résultat contraire. Est-ce que c'était pour diviser la résistance? Bien sûr, parce que dans la déberbérisation, en créant par exemple le cercle de Constantine, il fallait déloger les chevaliers de Tlerma, plus bas. Il fallait évacuer Sgniya. Il fallait dire aux Skikda, vous êtes arabes, à peu près. Il fallait aussi créer le bureau arabe de Guelma. Il fallait aussi fissurer Annaba et les berbères d'Annaba. Où est-ce qu'ils sont, les berbères d'Annaba? Donc, à jouer, parce que la France, qui m'a gueulé Kateb Yassine, nous n'étions pas vaincus, nous, en France. Nous étions dans la traîtrise. Il y avait une zizanie tribale, une zizanie entre les régions. Certainement, ça c'est normal. Mais il y avait une zizanie territoriale. Elle a joué sur les divisions ethniques, les divisions linguistiques, justement pour asseoir sa domination. N'oublie pas aussi que c'est presque. L'Algérie, la plaine algérienne a détruit la plaine, c'est-à-dire le passage par la plaine là.
Après, c'était un facteur de déberbérisation terrible. Terrible. Parce que vous avez aussi Dawla Saadia, qui est née au Maroc, qui vous envoyait tout ce qu'elle formait, votre djamiat, et en disant que haram tahdar tahdar. Le berbère a subi ce qu'il a subi, le langage a subi. Et toutes ces frustrations, à peu près, ont créé un morcellement, une division. Et ça se constitue à peu près jusqu'à ce qu'on a un Kabylie homogène en matière de langue. La scolarisation durant la colonisation a des fins, mais je sais pas ce que très bon, non, c'est justement pour créer deux couloirs là où il est chef. Là où il est chef. Parce que la Kabylie, réellement, avant la création du centre colonial d'Alger et avant la création même d'Alger, capitale du Dey, et les Alzéries, Mamelichena, il y avait une continuité. Et c'est pour cela que Dr Shaw ne place pas les Amazigh en Kabylie. Parce qu'il y avait les Amazigh à Atlas Blidien et tout. Il les place exactement à Tiaret. Presque à Tiaret. L'Ibni Warakh. C'est ça là où il a placé Maziès, Mazis, jusqu'au 1732. Il a gardé le mot Massil et Massaïsi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes face à des situations qu'on peut gérer, bien sûr, en acceptant la vie, en argumentant, pas en interdisant aux gens de penser, pas en se prenant le dépositaire de la démocratie, de tir, je sais pas quoi, du hadra, ou on propose, on analyse pour le bien de tous. Et c'est pour cela qu'il a dit pour le bien des autres et pour le bien de tous. Pour le bien des autres, pour le bien des autres. Donc, le fait de choisir, c'est exceptionnel quand même qu'une Américaine botaniste interdite de vote les Noirs au Chesmo, ou qu'il y a une Noire au Rhode Island qu'on l'a dépossédée d'une petite parcelle de terre. C'est elle qui a vendu ses livres au Abdel. C'est une femme qui a résisté, qui a vu son mari. Et choisit, elle choisit quoi? Elle choisit là où vous êtes allé pour nous dire que le mal des États-Unis est venu d'ici. Et vous nous avez présenté une démocratie, alors que voilà quelqu'un qui vient de cette région, vient de cette région, et voilà qu'est-ce qu'il dit de vous De la démocratie américaine, et d'un sabbat, que tout n'est pas permis sauf la flagellation. Et lui-même, il s'est attaqué à cette chrétienté, tout en disant aussi la chrétienté a donné certains droits aux femmes mariées. Mais il a reconnu certains trucs, mais il n'acceptait pas, il n'acceptait pas ce qu'il a vu à peu près. Justement, c'est le vote, la femme et les esclaves. Yatik c'est l'arabe. Merci. Donc, on va s'arrêter là pour un premier échange autour de cette thématique-là. Je rappelle, donc, on a fait un petit échange autour du livre Shahmah, In Pursuit of Freedom. Shahmah, La poursuite de la liberté. Shahmah étant un personnage venu de Kabylie. Donc, c'est un livre qui a été écrit en 1858. Donc, comme vous le disiez, à peine deux décennies après Mais le voyage en 1852, le voyage. Voilà. Donc, un livre que vous pouvez, chers auditeurs, chers internautes, acquérir sur Amazon. Donc, il y a la version électronique Kindle qui coûte 7,90 $. On peut l'avoir gratuitement sur Google Read, c'est tout. Et puis on peut l'avoir, on peut le lire en ligne, c'est tout. Également. Merci, Sile Harbi. Merci à tous les internautes qui ont suivi cet échange-là. Je vous dis bonne soirée. Tiksaha, à la prochaine. Merci. Merci. Salut.